T'as pas intérêt à mettre ça dans ton journal fumé, hein, moi je te le dis. Finalement, tu filmes toujours la même chose. J'ai l'impression de regarder l'épisode de la semaine dernière. Oui, tu as raison. Je filme toujours la même chose. Parce que ma vie est toujours la même. Mais quand tu regardes bien, ce n'est jamais la même chose. L'image n'est jamais la même. C'est ce que tu dis, mais j'ai quand même l'impression que ce n'est pas très varié. Ça devient carrément chiant. C'est comme ça. C'est ma vie qui est comme ça. Ou alors, il faudrait que je fasse de la fiction, comme au cinéma, de la mise en scène. Mais je n'ai pas les moyens de payer des comédiens ni de fabriquer des décors. Et puis, il faudrait que j'écrive des dialogues. C'est pourtant ce que tu fais en ce moment, écrire des dialogues. Oui, mais ce n'est pas tout à fait pareil. C'est juste pour la voix off. Et puis, nous ne sommes pas des comédiens. Nous jouons notre propre rôle. En plus, tout ce que nous disons n'a rien à voir avec les images. Tu n'as pas un peu l'impression de te moquer du monde ? Pas vraiment. Je trouve au contraire que ce que nous disons a tout à voir avec les images. La bande-son doit-elle forcément coller à ce qui se passe sur l'écran ? Surtout lorsqu'il ne se passe pas grand-chose. Après tout, nous faisons ce qu'il nous plaît, nous ne faisons pas un reportage pour la télé. En tout cas, je me dis que ce n'est pas comme ça que tu vas retenir le spectateur, pour qu'il aille au bout de l'épisode. De toute manière, la moyenne de la durée de visionnage par épisode est d'à peine 3 minutes. Donc là, nous allons en perdre une bonne partie. Ce n'est pas une raison pour raconter n'importe quoi, sous prétexte de combler le vide. Que veux-tu que je raconte de plus ? Je ne sais pas, moi. Je n'en ai aucune idée. Je ne fais que lire ce que tu as écrit. Ne m'en demande pas plus. C'est très bien, mais c'est trois débutants.